la couleur rose, parce que j'avais un bouquet de fleurs roses. Et là, on aura besoin d'un papier crépon, une paire de ciseaux, un fil de fer, si vous en avez. Là, un crayon et une petite règle. Voilà, si vous avez tout ce matériel à la maison, c'est parti pour l'aventure. Alors, je les ai coupés en carré de 10 cm par côté. Donc, une fois coupé, on va essayer de plier la feuille comme ça. Donc, on prend ce bout-ci, on essaie de rejoindre ce bout-là pour une première, une fois. Voilà, et on plie. Ensuite, on prend le bout, ce bout-ci, pour rejoindre celui-là. Ça fait deux. On a un bout pointu là. Donc, on prend ce bout-là, qui va venir rejoindre celui-là. Comme ça. On a toujours notre bout pointu. Et là, on essaie maintenant de plier au milieu ici, en prenant cette partie et on le rabat ici, comme ça. Alors, vous voyez, après vous aurez cette forme. Et après, ce qu'on va faire, on va prendre le ciseau. Vous voyez comment la feuille elle est. On vient juste un peu plus du milieu, comme ça, et on essaie de faire. On coupe comme ça. Comme ça. Et l'autre côté. Comme ça. Donc on va en faire autant que possible. Donc voilà, j'en ai une. On va refaire la même chose. Même processus. 2. Voilà. Toujours on a la base ici, donc on rabat toujours les deux autres côtés. Comme ça. La base est là. On rabat cette partie-là ici. Et ça va être comme ça. On a encore ce qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais faire une troisième fois et après on va couper. Donc comme ça, on plie, comme ça, on plie, comme ça, et enfin ça. Amis, ce qu'on va faire maintenant, on va venir couper comme on a coupé tout à l'heure. On prend la paire de ciseaux et on coupe comme ça. Ça, on dégage un peu. Donc on a la base qui est là, on a ensuite une autre base et on a une troisième. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de couper. Donc j'ai tout à l'heure je l'ai ouvert aussitôt, mais on doit couper un tout petit peu le bout ici. Regardez bien, comme ça on coupe un tout petit peu sur toutes les bases, comme ça. Ça va nous permettre de faire rentrer la tige dans la fleur. Vous voyez? Comme ça. Donc, on ouvre. Et ce qu'on va faire cette fois, pour pouvoir.
pas fermer ça parce que ça, elle est trop plate comme ça et on n'a pas besoin de ça. On va venir enlever une partie comme ça. Vous regardez bien, on va enlever cette partie-là pour une première. Après, je vous montre la deuxième. Donc, on va faire comme ça. Et comme ça. Ça, c'est la première partie. Pour que ça se superpose normalement, on va venir encore couper encore une deuxième fois. Mais cette fois-ci, on a coupé une seule partie. Cette fois-ci, on va couper deux parties. Donc, ça sera cette partie et celle-là. Donc, on fait comme ça. On coupe carrément. Une, deux. Donc, on coupe ici. Donc, vous voyez ce que ça donne. On a notre deuxième base. Et ensuite, la troisième. Alors pour celle-ci, ce qu'on va faire, on va venir couper carrément trois parties. Donc, on coupe ça. Donc, un, deux, trois, un coup ici. Voilà, on a nos trois grandes bases et on a nos trois autres petites bases, comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va prendre maintenant la tige. On va prendre notre papier crépon, on va l'enrouler dessus. Regardez bien, c'est très facile à faire. Voilà, juste ça. On l'enroule bien serré. On n'a pas besoin de trop tirer parce que le papier crépon est assez mou. Ça risque de se déchirer. Assembler tout ça. Donc, alors, si vous avez un bâton de colle à la maison, c'est plus facile à faire. Ça, c'est de la colle blanche, colle liquide, ça peut le faire, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser beaucoup de colle blanche. Donc, on va juste mettre un tout petit peu. Donc, c'est pourquoi le bâton de colle est préférable. Et on met juste ici, sur une pétale, comme ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est de rabattre cette partie et de rabattre celle-là dessus pour la coller. Vous voyez? Donc, on a déjà collé une partie et on a ça. On va faire la même chose ici. Par contre, là, on va juste prendre une seule pétale qu'on va mettre là comme ça et on va venir coller ça ici. Donc on va essayer de coller tout nos bases et après on pourra faire le montage de la rose. Donc on a ça, ça à présent on aurait besoin. Je colle d'abord les grandes parties comme ça. Donc, on met la colle ici, sur ces deux parties-là. Regardez bien. Il ne faut pas en mettre trop parce que la colle, c'est une colle liquide. Ça risque de déchirer la feuille. On met le minimum possible. Tout en mettant bien. Donc, on essaie de joindre les bouts comme ça. On a ça.
un peu comme ça. C'est pour que ça tienne dans la fleur. Donc je le plie et je vais mettre un peu de colle sur la base ici. J'en ai mis un peu trop, voilà, j'ai diminué. Et je viens le rouler là, comme ça. Donc vous voyez. Alors, je vais faire la forme de la fleur. Donc pour ça faire, prenez juste le ciseau et vous appuyez un peu comme ça. Ça va se plier. Et voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir passer par le dessus la tige de la fleur. Donc là, le bout est un tout petit peu très petit, on va l'augmenter un peu, comme ça. Et pour que ça tienne bien, je vais mettre un tout petit peu de colle là, tout autour. Et voilà. On l'a bien, comme ça. Et on appuie là pour que la colle tienne. Après ce qu'on fait, on va venir maintenant ouvrir la pétale. Comme ça, c'est très simple. C'est un mouvement très facile à faire. Donc pour le reste, on ouvre d'abord les pétales et après on pourra les installer, les mettre dans la tige. Voilà. Les amis, on aura besoin de plusieurs pétales parce qu'on a dit qu'on va faire un bouquet de roses. On aura besoin de plusieurs roses plutôt. Donc le processus reste le même. C'est très facile à faire. Donc voilà. Je suis sûr qu'il y aura certaines ou certains parmi vous qui n'auront pas à le faire parce qu'on l'avait déjà fait dans les ateliers. Ici à l'institut même. Et on a hâte de vous retrouver, les amis. Voilà, c'est fini. Donc, on va venir maintenant faire le montage. Un peu de colle. Et hop, c'est parti. Vous voyez comment ça se forme là.